d'accord. Oui, moi aussi. À tout à l'heure. Alors ? Non, toujours pas de nouvelles. Attends, mais c'est pas possible, il a pas pu disparaître comme ça. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Julien et Jérémy ont passé une bonne partie de la nuit à le chercher, ils l'ont pas retrouvé. Pff, c'est trop bête, hein. Au moment où tout allait s'arranger, tout se classait à figure à cause d'une histoire stupide. Ouais, ça je te le fais pas dire. Géraldine a pleuré toute la nuit, hein. Moi, je sais, je l'ai entendu. Tu viens, on va voir si elle est réveillée. Ouais. Bonjour ma chérie. Salut. Salut. Tu sais, je suis désolée, c'est de ma faute. Hein. Non, Barbara, c'est de la mienne. Je suis vraiment n'importe quoi en ce moment. Dis pas ça. Mais si, je me rends compte que je suis en train de gâcher ma vie. Mais non, mais tout va s'arranger, je te jure. Regarde, il suffit que je parle à Fred et je vais tout lui expliquer. Tu vas lui expliquer quoi? Que j'ai pas de cœur? Que j'ai pas de sentiments? Que je fais n'importe quoi? Que j'ai réagi comme une idiote, c'est ça que tu vas lui expliquer? T'as commis une erreur, c'est vrai, mais... Attends, c'est pas une erreur, Sandra. J'ai réagi comme une garce, tu veux dire. J'ai craqué sur Peter Denver. J'ai couché avec lui. Non, mais vous vous rendez compte? Mais Fred t'a pardonné puisqu'il est revenu hier. Ah ouais, ça c'est sûr, il est revenu hier. Et il m'a trouvé en train d'embrasser John. Mais c'était pour me sauver, ça! Tu le sais bien, c'est moi qui ai craqué sur lui la première, comme une idiote. Ouais, mais j'avais pas besoin de l'embrasser. T'étais déjà sauvée, tu risquais plus rien. Vous savez pourquoi je l'ai embrassée? Parce que j'étais complètement inconsciente. Parce que je voulais faire bonne figure devant vous. Je voulais faire la fille qui assumait. Non, mais vous occupez pas de moi. Sandra, fais ton disque. C'est beaucoup plus important que mes petits problèmes dans la petite vie. Non, non et non! On va pas y arriver, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien? Mais ben non, c'est pas bien! Eh ben non, c'est pas bien! C'est même nul! Bon, allez! On arrête de perdre du temps, hein? Allez, stop, stop! Reviens, reviens, reviens! C'est dommage! Enfin, c'est comme tu veux. Hein. Je le crois pas, ça. Je le crois pas, ça. Il est 8h du matin! On a passé la nuit à travailler sur cette chanson-là! Tout ça pour rien! Ça te plaît pas ce que je fais? Mais non, ça me plaît pas ce que tu fais! C'est nul ce que tu fais! Ma pauvre fille, hein. Alors toi, tu seras jamais une star, hein. Tu m'as promis pourtant. Eh ben, je t'ai promis. À l'impossible, nul n'est tenu, hein. Casse-toi. Mais qu'est-ce que t'as, mon pitou? T'es de mauvaise humeur ce matin? Ouais, je suis de mauvaise humeur ce matin! Je suis de mauvaise humeur ce matin, alors arrête de me toucher, là! Et m'appelle pas mon pitou, ça m'énerve, ça! Je te supporte plus, là! T'en avais pas l'air la nuit dernière. Mais c'est pas à toi que je faisais l'amour. Tu t'en es même pas rendu compte de ça. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais là. J'étais là. Mais je sais bien que t'étais là. Mais moi, je pensais à une autre. Ah, parce qu'en plus, t'es amoureux? Ouais, je suis amoureux. Ouais, je suis amoureux. Et toi, tu te casses. C'est comme tu veux. Ouais, c'est comme je veux. Mais si tu me rappelles, je serai peut-être pas là. Oh, bah ça sera pas une grande perte, hein, ma chérie. Allez, allez. Salaud! Pff, alors là... Bon, remets-moi la bande, là, celle avec marqué Sandra sur la tracklist. Ok. Ah bah voilà. Hein? Ah bah voilà. Putain, c'est pas compliqué quand même. Bon. Bouge pas. Je reviens. Non mais c'est pas possible, il a quand même pas pu s'envoler. Oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Jérémy, hein? Il a dû aller à Londres rejoindre sa petite Dolly, et voilà. Hein, de quoi tu parles? Non mais je parlais pas de Fred, je parlais de mon tube de lait. Mon lait concentré, bah oui, ce que je prends le matin au petit-déj, c'est vachement bon, et je l'avais dans les mains il y a 5 minutes et je le trouve plus. Oh, excuse-moi Jérémy, mais j'ai d'autres préoccupations en ce moment, hein. Ouais. C'est vrai, mais qu'est-ce qui lui a pris à Géraldine d'embrasser John comme ça? Le désespoir. Tu comprends, elle pensait que Fred était encore avec Dolly. C'est quand même chelou comme réaction, quoi.
Moi, je suis sûr que Barbara n'aurait jamais fait ça. Oui, je vois pas le rapport, là. Moi, je le vois. Non, mais c'est simplement que je veux dire qu'il y a des filles qui sont sérieuses et il y a des filles qui sont un petit peu moins sérieuses. Voilà. Ouais, ben en attendant, je vois vraiment pas comment on va faire pour sortir de là. Mais attends, mais ça va s'arranger, Julien! Mais bien sûr, tu le connais, Freud, il va se calmer. Ouais, bah vu son état hier, ça m'étonnerait. Attends, hé, Géraldine, il lui a déjà pardonné une fois, et bah il lui pardonnera une deuxième fois. Bien sûr, tiens, hé, je te parie même 1000 balles qu'il va lui pardonner et que tout va s'arranger. J'espère que t'as raison. Et bien sûr que j'ai raison. Yes. Bon, où est-ce que j'ai foutu ce tube de lait, moi? Ah. Salut. Salut. J'imagine que vous venez pour la douche, c'est ça? Vous connaissez le chemin maintenant, c'est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, pas du tout. Allez-y, allez-y. Ah non, mais bon, on est un peu inquiet. Ça fait depuis hier soir qu'on n'a pas vu Fred. Ah ouais, Fred, mais nous, on l'a vu tout à l'heure à la cafette. Hein? Quoi? Quand ça? Bah oui, avant de venir, on allait prendre un café là-bas, on l'a vu, on a discuté avec lui. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il était comment? Écoute, il était normal, on a parlé, tout, de rien. Pourquoi il y a une embrouille? Ah oui, plutôt, oui. Une grosse embrouille même, avec Géraldine. Vous croyez qu'il y est toujours? Bah, quand on en est parti, il y était encore. Bon, allez, il y a les serviettes dans le tiroir. Merci. Si vous en avez besoin. Jérémy, dépêche-toi. Eh ben, c'est bon, laisse-moi le temps de mettre mes pompes quand même. Dépêche-toi, Jérémy! Je peux mettre. Ah, mais attends-moi! Attends, Julien! Wow. Attends-moi! Voilà, hein! Et décidément, ici, il se passe toujours quelque chose. Hein. Eh, comme tu le dis, ouais. Avec eux. Dis-moi. On est seuls tous les deux dans un vrai appartement. Avec un vrai lit. Viens, moi-le. Ouais. Tu crois qu'on peut en profiter? Je crois qu'on va en profiter. Oh, attends. Aïe. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, oh, mais c'est quoi ça? Ah, c'est dégueulasse. Ah, oh, mais c'est dégueulasse. Oui, ok, Julien. Ok, on arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont retrouvé Fred, il était tout simplement à la cafette. Allez, venez, on y va. Eh ben tu vois, Géraldine, allez, dépêche-toi! Non, les filles, je vais pas y aller. Mais attends, c'est stupide, dès qu'il va te voir, tout va s'arranger! On va lui expliquer tout ce qui s'est passé. Non, je me suis rendu compte que je le méritais pas. Allez, secoue-toi, viens! Non, n'insistez pas, je bougerai pas d'ici. Ah, j'y vais. Ah, bonjour Barbara, je vous dérange pas, je vous réveille pas? Non, pas du tout, qu'est-ce que vous faites là? Voilà, je suis venue parler à Géraldine et à Sandra aussi, je voulais m'excuser. Ah, vous excusez? Oui, c'est mal ce que j'ai fait, mais bon, j'ai perdu la tête, j'ai essayé de voler la chanson de Sandra, mais je le regrette, je le regrette vraiment. Alors voilà, je lui ai rapporté ses bandes et j'ai annulé tous mes droits sur la chanson. Bon bah, je vais les prévenir, ouais. C'était qui? Vous allez pas me croire. C'était Peter Denver. Il est venu s'excuser et il a rapporté tes bandes et il a annulé le dépôt de ta chanson. Quoi? Mais t'es sûre? À moins que j'ai rêvé, mais je pense pas. Hein. Bah t'entends, Géraldine, c'est génial. Peter Denver est venu s'excuser et en plus il nous ramène nos bandes. C'est super. Prends-les. Ah bah non, viens, il veut te voir, toi aussi. Ah non, tu lui dis que je suis pas là. Moi, je veux parler à personne. Mais attends, Géraldine, tu peux pas me laisser tomber. Je sais même pas quoi lui dire, moi, à ce Peter. Allez, faut que tu viennes. Allez, viens! Bon, ok, mais après, vous me fichez la paix, d'accord? Bonjour. Bonjour. Salut, Géraldine. Voilà, je voulais m'excuser pour tout ce que j'ai fait. J'ai perdu la tête. J'ai perdu la tête parce que je voulais me venger de toi, Géraldine. Quant à toi, Sandra, je voulais que tu saches que même si tu as signé ailleurs, je suis prêt à racheter ton contrat pour travailler avec toi. Écoutez, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Et qu'est-ce qui nous dit que vous allez être sincère cette fois-ci? Rien. Vous avez ma parole, c'est tout. Quant à toi, Géraldine... Géraldine, ça va? C'est malin, hein? Regardez, c'est à cause de vous, ça! Mais non, ça va, elle respire normalement. Appelez le SAMU, il faut qu'un médecin la voie. Mais où est-ce que t'étais passé? On était inquiets! Bonjour, quand même. Non, attends, ça va, on t'a cherché la moitié de la nuit, là, t'étais passé où? Nulle part, je me suis baladé, c'est tout.
Écoute, Fred, ce qui s'est passé hier avec Géraldine, c'était un horrible malentendu. Ah, mais oui, bien sûr. Géraldine n'était pas en train d'embrasser John, mais non. Elle lui enlevait une poussière qu'il avait dans l'œil. Évident. Elle a eu une pulsion, voilà, c'est ça, elle a eu une pulsion. Bah oui, une pulsion, ça peut arriver à n'importe qui. Une fille comme Géraldine, ça, elle peut avoir des pulsions, quoi, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Bon, Jérémy, je crois que t'as envie de te prendre un café, là. Ah non, 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 c'est sympa, mais non, j'ai pas soif, non, c'est gentil. Faut que je parle à Fred. Vas-y. Ah, je comprends, je dérange, c'est ça. Vous avez des secrets, des choses à vous dire, faut... Très bien, je vous laisse. Je vous dérangerai pas plus longtemps. Alors que Jérémy est parti, je peux dire la vérité. Ouais, qu'est-ce que tu vas m'inventer encore? Barbara avait craqué sur John. Mm-hmm. Et Géraldine a fait ça uniquement pour lui casser son cou. Ah. Bah oui, bien sûr. C'est pas mal. Enfin, ça manque d'imagination, mais c'est pas mal. Je te jure que c'est la vérité, Fred. Ouais. Et dis-moi, c'est pour casser le cou de qui qu'elle a couché avec Peter Denver? D'accord, elle a fait n'importe quoi. Mm-hmm. Mais là, elle est complètement innocente, je te jure. Mm-hmm. En plus, elle pensait que t'étais avec Dolly. Eh bah, tu vois, elle a pas tort. D'ailleurs, je prends le train tout à l'heure, je la rejoins à Londres. Écoute, je sais que tu l'aimes, tu me l'as dit. Alors laisse-lui au moins une chance de s'expliquer, je t'en supplie. Non. Mais non, tu vois, parce qu'être cocu une fois, ok, hein, une fois. Mais bon, quand ça devient chronique, hein, tu vois, c'est pas trop mon truc non plus. Hein. Tu veux que je te dise la vérité? J'ai eu Sandra tout à l'heure au téléphone. Géraldine a pleuré toute la nuit. Eh ben, moi, j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Tu crois que c'est mieux? Voilà. Accepte-moi de lui parler. Non, c'est trop tard. Je passe à l'appart, je prends mes affaires et je pars. Conseiller, c'est terminé, les messes basses, là, c'est bon? Oui, tu peux t'asseoir, moi je m'en... Ah bah quand même! Mais tu vas où? À Londres, rejoindre Dolly. Ouais. C'est pas possible. C'est... Non, 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 tu peux pas faire ça, non. Si tu peux pas, j'ai parié 1000 balles avec Julien que t'allais te remettre avec Géraldine et que tout allait s'arranger. Pas de bol, hein. Enfin, je suis désolé, mais bon, t'as perdu, quoi. Salut. Tu vois, ça, je le savais. J'aurais jamais dû te laisser faire. Tu sais pas parler à un mec comme Fred, toi. Bon, bah ça va, Jérémy, elle la ramène pas, ok? Ah, c'est Sandra, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux lui dire la vérité, Julien? Allô? Hein, quoi? Bon, d'accord, on arrive, panique pas, on arrive. Qu'est-ce qui se passe? Géraldine a eu un malaise. Écoute, ils ont appelé le SAMU. Fonce chez les filles, moi je vais attraper Fred pour le prévenir, ok? Ça va, elle dort. Je lui ai fait une piqûre pour la calmer. Mais qu'est-ce qu'elle a, le docteur? C'est grave? Je sais pas encore. Apparemment, elle a reçu un gros choc. Elle a eu des problèmes récemment? Oui, sentimentaux. Ah, je vois. C'est de son âge. Ça devrait s'arranger. Je repasserai la voir ce soir. Merci beaucoup. On peut la voir? Ah non, il vaudrait mieux la laisser dormir. Passez la tête de temps en temps pour voir si tout va bien. D'accord? Ouais. Tenez. Merci. Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Je suis désolé, c'est ma faute, c'est entièrement de ma faute. Mais non, de toute façon, c'est de notre faute à tous. On n'a pas compris à quel point elle était malheureuse, c'est tout. Mais Géraldine, c'est une fille formidable. L'aventure que j'ai eue avec elle, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ouais, je sais, ça. Ça peut paraître ridicule, mais en une nuit, je suis tombé fou amoureux d'elle, comme un gamin. Et c'est pour ça que j'ai craqué, comme un gamin aussi. Oui, bah c'est bien joli tout ça, mais c'est quand même vous, en attendant, qui avez essayé de voler la chanson de Sandra, non? Oui, je sais, mais comme Sandra était l'amie de Géraldine et que je pouvais pas l'atteindre, j'ai essayé de me venger sur quelqu'un qui l'a touchée, voilà. Ouais, je sais, c'est pas très brillant, mais je le regrette, vraiment, vraiment. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait quelque chose de non professionnel. Et je vous demande pardon. Non, mais c'est un peu trop facile quand même, non? Vous croyez pas? Ouais, peut-être. Je vous demande pardon, mais vous n'êtes pas obligé de me l'accorder. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un malaise. Elle dort. Le médecin lui a fait une piqûre. Et lui, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Rien, rien. Je partais. Vous m'appellerez dès que vous aurez des nouvelles? D'accord, Peter. Attendez, mais c'est quoi cette histoire, là? On te racontera ça plus tard. Fred, il est où? Fred, il est parti. Julien essaie de le rattraper. Il est au courant pour Géraldine? Non, non. Et puis à mon avis, ça va pas s'arranger. C'est mal barré, hein. Il a pas du tout l'intention de lui pardonner.
c'est toi. Davy, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu prendre une douche avec Daphné. C'est bon, tu peux venir, hein, c'est Fred. Ah, Fred! Salut, Fred! Je suis désolée, on vous envahit un peu, là. Non, non, pas de problème. De toute façon, moi, je pars, là. C'est bon. Ah vous? Ouais. Tu vas où? À Londres. Besoin de vacances. Qu'est-ce qui s'est passé avec Géraldine, là? T'as des soucis, c'est ça? Ah non, y a aucun souci. Enfin, y a plus aucun souci. On n'est plus ensemble. Donc, tout va bien. T'es plus avec Géraldine? Non. Bah attends, comment ça se fait? Vous avez l'air tellement amoureux. Eh bah oui, bah on n'est plus ensemble. Tu sais, l'amour, ça va, ça vient. Et puis là, c'est parti. Hop. Attends, t'es sûr que tu fais pas une connerie, là? Certain. Tiens, au fait, félicitations. Ouais, on s'est rencontrés et tout va bien. J'espère que t'auras plus de chance que moi, hein. Écoute, tu veux pas nous expliquer ce qui s'est passé avec Géraldine? Non, mais y a rien. Y a rien, je t'assure, vraiment, tout va bien. J'ai rien oublié. Moi, j'y vais. Parce que sinon, je vais être en retard. Allez, hop. Un de ces jours. Eh ben, décidément, tout le monde se retrouve. Écoute, Fred, faut que je te parle. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Géraldine est en larmes, elle vous a fait un malaise. Bah, tu crois pas si bien dire. Elle s'est effondrée devant les filles, elles ont dû appeler le SAMU. Eh ben alors, tu vois, je l'avais prévu. Pas de raison de s'inquiéter, non? Attends, mais c'est pas du cinéma, c'est pas une blague, c'est sérieux. D'accord, tu sais ce que tu fais, tu l'embrasses de ma part quand elle se réveille. Par contre, moi, il faut que j'y aille parce que sinon je vais louper mon train. Et comme Dolly vient me chercher à la gare, tu vois, ça m'embêterait, d'accord? Allez. Mais attends, là. Non, mais je t'ai dit que je vais louper mon train, donc... Non, mais t'es pas sérieux? Bah si, je suis très sérieux, la preuve. Allez, salut. Tu peux pas faire ça, t'as pas le droit. Attends, Julien, qu'est-ce qui se passe avec Géraldine? Ça va, c'est grave? Je sais pas, j'ai eu Sandra au téléphone, elle m'a dit ce qui s'est passé et je suis tout de suite venu prévenir Fred, quoi. Ouais, écoute, je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, ça va être difficile de le calmer, là. Mm. Ouais, bon, moi j'y vais, je vais rejoindre Sandra, ok? Bon, tu nous tiens au courant. Ouais, je vous appelle. Ouais, et puis embrasse les filles pour nous. Sans problème. Mm. Allez. Les pauvres, attends, c'est terrible ce qui leur arrive. Ouais. Attends, moi, je me sens presque coupable d'être heureuse, du coup. C'est vrai? Mmh. Ouais. Mais je le regrette pas. Du tout. Et t'as vraiment rien pu faire pour le retenir? Bah non. Tu connais Fred quand il est buté, hein. Une vraie tête de mule. Enfin, en même temps, il y a de quoi, quand même. Non, mais c'est vrai, quoi. Qu'est-ce qui lui a pris, Géraldine, d'embrasser ce mec-là? Je sais pas, ça lui est venu comme ça. Non, Sandra, je préfère que Jérémy soit au courant. En fait, elle a fait ça à cause de moi. Quoi, comment ça, elle a fait ça à cause de toi? Bah, j'ai craqué sur John et Géraldine a dragué pour m'empêcher de faire des bêtises. Tu sais que t'as failli m'avoir. Là, je te jure, j'ai failli y croire. Non, mais c'est vachement drôle. Non, mais c'est vrai, je comprends que tu veux y inventer des excuses pour protéger un petit peu, pour couvrir ta copine, c'est normal, mais bon, tu peux quand même pas inventer n'importe quoi. En tout cas, c'est vachement bien trouvé. Non, c'est vrai, c'est marrant, je trouve. Je n'invente pas n'importe quoi, j'ai. Ouais, ouais. J'ai vraiment failli craquer pour John. Il a raison, Barbara. C'est pas la peine de lui raconter des histoires. J'ai embrassé John parce que j'en avais envie. Géraldine, ça va? Oui. Je suis encore un peu sonnée, mais. Ça va beaucoup mieux, vous inquiétez pas. Mais t'es toute pâle. Assieds-toi. Non, ça va, je tiens debout. Il en faut plus pour abattre une Géraldine. T'es sûre que tu te sens bien? Oui, oui. J'ai entendu tout ce que vous avez dit et je suis entièrement d'accord avec toi, Jérémy. Fred a vraiment toutes les raisons de m'en vouloir. Et il reviendra pas. Dis pas ça. Il t'aime et il t'avait pardonné pour Peter Denver. Non, Sandra, il m'avait pas pardonné. Il a essayé de me pardonner. Mais ce genre de choses, ça se pardonne pas. Il reste toujours une rancœur ou un mauvais goût dans la bouche et j'ai vraiment bien réfléchi et j'ai pas envie de vivre ça. Mais Géraldine, on fait tous des erreurs dans la vie. Moi, c'est pas des erreurs, c'est pire que ça. On était sur la même route, Fred et moi, et puis moi je suis sortie. Et lui, il a continué sa route. Et on se retrouvera plus jamais. En tout cas, plus jamais comme avant. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais essayer de continuer à vivre sans Fred. Après tout, ça doit être possible. J'ai des tas d'ex qui arrivent à vivre sans moi. Bah alors là, ah, bravo. Je trouve que c'est vraiment une réaction hyper intelligente. Félicitations. Merci. Non, tu vois, sincèrement, je trouve que la position de Géraldine est formidable. Bah, j'espère qu'elle va tenir, en tout cas. Mais bien sûr qu'elle va tenir. Attends, elle est pleine de volonté, Géraldine. Mais ouais. Oh, mais tu vois, regarde qu'est-ce qu'il y a là. Ils sont mignons, tous les deux. Ils ont de la chance. Attends, ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que t'as compris, Jérémy? Hein?
Et bien Daphné, elle fait comme Géraldine, elle essaye de vivre sans moi. Elle pense sur elle pour ça. Mais dis donc, elle remonte dans mon estime. Viens, on va leur dire bonjour. Attends, elle aura déjà dit bonjour ce matin, fiche-leur la paix. Non, mais attends, mais c'est pas grave, ça va leur faire plaisir. Il faut que je dise à quel point je suis fier d'elle quand même. Allez, viens avec moi. T'es lourd. Mademoiselle, monsieur, bonjour. Ah, salut. Ah, Jérémy. Salut. Ça va? Je suis désolé, hein, je voulais pas vous déranger, mais. Non, c'est pas grave, c'est bon. Alors, des nouvelles de Géraldine, comment ça va? Ouais, on vient de la quitter, là. Elle va mieux. Donc, Géraldine, elle est formidable! Tu vois, c'est. Cette fille-là, elle est encore terriblement amoureuse de Fred, mais. Elle arrive à pondre sur elle pour essayer de vivre sans lui, et ce genre de fille, là, ce trait de caractère particulier que peuvent avoir certaines femmes, je trouve ça génial. Ça doit être dur quand même, la pauvre. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut que tu sois cool avec Daphné. Oui, je veux pas le rapport, là. Hein? Moi, je le vois. Et elle aussi. Ah oui, d'accord. Hein? Je suis fier de toi, sincèrement, je suis vraiment fier de toi. Pourquoi elle se marre? Pardon, excusez-moi. On va vous laisser là parce que là, c'est elle repart dans une crise. On doit tellement prendre sur elle que ça va vaciller forcément, mal craque. Ok? Voilà, à plus. Hein. Bon, je suis désolé, hein, à plus. Pouf, mais tu dois tellement souffrir, regarde. Et si t'arrives? Attends. C'est ton cousin. C'est Jérémy. Je pense qu'il pense que je suis toujours amoureuse de lui. Et il croit que je fais comme Géraldine. C'est pour ça qu'il essaye de me faire passer des messages. Courageux. <C'est pas vrai. rire> Salut. Ah, salut. Merci d'être venu aussi vite. Quand le grand Peter Denver appelle, tu sais, tous les ingénieurs du soir arrivent au galop, hein. Oh, te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Le grand Peter Denver, il est petit. Il n'a jamais été aussi petit. Oui, bah, je suis content que tu t'en aperçoives. Hein? J'ai été très surpris que tu m'appelles pour t'excuser. Ouais. Et moi, je suis content que tu m'aies aidé à ouvrir les yeux. Merci. De rien. Tu sais, je suis allé voir Sandra tout à l'heure pour lui remettre les bandes. Tu sais avec quelle production elle a signé? Ah ben aucune. Ils ont monté un home studio, ils veulent se produire eux-mêmes. Ah, intéressant. Je leur ai proposé mon aide. Ça m'étonne pas de toi. Oui. Tu sais bien qu'elle a beaucoup de talent, cette petite. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Dis-moi. J'ai un service à te demander. Un grand service. Lequel? Convainc-les de retravailler avec moi. Ça... Ça va pas être facile du tout, hein. Mais je saurais me montrer très reconnaissant, hein? C'est vrai, ça fait longtemps que tu rêves d'avoir ton propre studio. Enfin, Peter, tu le sais bien, ça, mais bon, c'est pas possible. Comment tu veux? Mais on pourrait retravailler ensemble, toi et moi. C'est vrai, non? On forme une équipe. Une bonne équipe. Ouais, ouais. On forme une bonne équipe, mais j'ai pas un rond. Moi, j'en ai. Alors, c'est oui. Laisse-moi réfléchir.